Bonjour à tous et à toutes mes petits cagettes, c'est Cage et bienvenue pour le troisième épisode de Daylight. Alors on s'était arrêté, donc j'avais déjà monté cette échelle là. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas pu jouer parce que j'étais occupé. Par contre le jeu, malheureusement je peux pas le mettre totalement à fond, enfin, je ne sais pas pourquoi. Donc on verra pourquoi. J'ai essayé mais je pense que c'est une mauvaise optimisation. Pourtant malgré j'ai un matériel qui est normalement capable de le faire tourner à fond. Mais là je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bref. Au pire, bon, je me ferai jouer différemment. Dis-moi, pourquoi tu m'aides ? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin. Maintenant, je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. D'accord, donc ça, ok, j'ai pas de problème. Ouais, par contre, ça c'est dommage parce que ça t'as toujours les touches en anglais alors qu'on est en français. Ils auraient pu faire un patch. Ça aurait été cool. Les gens plantent des tas de trucs dans des endroits comme ça. Au cas où quelqu'un ne pourrait pas rejoindre. Non, le jeu a l'air d'être un peu plus fluide en fait. Il y a le miel, on aime le miel. Hein. Ça, c'est le truc à la The Last of Us. Donc on s'était arrêté ici. Hein. Alors désolé, je trouve que c'est un petit peu volatile. Si vous trouvez que la souris bouge un peu trop, c'est pas assez normal, c'est de ma faute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas, alors ? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Ok, bon, on va te follow. C'est lui qui nous a sauvés de la pendaison. Ça, c'est dommage, par contre, qu'on peut pas... c'est masqué la zone. Okay. En tout cas le jeu est beau hein. Et ça va, pourtant j'ai mis, ça a l'air de tourner correctement même si j'ai des petites saccades, mais ça va. Mais là, je pense que c'est le jeu malheureusement. Au pire je baisserai un tout petit peu, c'est pas très grave que ce soit pas totalement tout à fond, c'est pas très très grave. Objet de correction, ok. Il y a une armée ici ? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Hé, hey, on y va ? Tu voulais pas me montrer quelque chose ? Carrément, suis-moi. Allons-y, allons-y. Alors, il a sauté. On a un cours d'endurance, donc on va faire attention. Parce que si on tombe, on meurt, hein, j'imagine. Ah, c'est ça. Oh, j'ai cru que j'étais tombé. J'espère.
Ah, je me suis coincé. Je suis mort. Allez, monte, 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 monte. On va attendre que ça se recharge un peu, voilà. Mais putain, mais j'arrive pas à tomber à chaque fois, ça me saoule. Désolé, hein, mes petits cagettes, mais... Non mais non! Oh mais c'est pas vrai! Allez, remonte, remonte. Allez, monte, 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 monte. Ah, l'endurance, ça me saoule, là, par contre. Allez, allez, monte, monte, monte. Allez! On va pouvoir revenir. Voilà, reprenons tranquillement. Voilà. Désolé, petite cagette. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Ah non, 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 laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur? Où est-ce que t'as eu ça? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens, et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je cherche une personne. Une personne importante. Et ça, ça devrait m'aider à la trouver. Mais où est-ce que t'as eu ça? Faudrait mieux pour toi que tu saches pas. Crois-moi. Si tu le dis. Putain, on a mis trop de temps. Plan B, on dégage. Hayden, t'es là? Ça va, tout va bien, je crois. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver, suis-moi, vite! Ok, donc on va aller sur cet hôtel. Ok, allez, c'est parti, let's go! Ah oui. Ils approchent, allez! Je fais comment? Je remonte comment alors? Il faut remonter comme ça. Ok, désolé mon ami. T'es passé où, gros?
être en blague. T'entends ça? Oui, j'entends. On y est presque. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Ouvrez! Hello! Reste dans la lumière. Hakon. Allez, ouvre maintenant! Hakon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi, derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Ah. Et un peu de matos électronique. Fumier! En tout cas, il a un sacré coup d'haleine, hein. Vite, ils nous ont presque rattrapés. T'attends pas, cours. Sans blague. Moi, je fais quoi, bro? Que j'en sais un bada, peut-être. Ils sont de plus en plus nombreux, Aiden. Je sais pas où t'es, bro. Dépêche-toi. Faut aller où là? Allez, monte. Cillian, c'est moi. Pas d'amis ici, hein. Cillian, occupe-les. Cillian. Putain, Cillian, allez! Cillian! J'espère que tu te crèves en prenant les pieds dans mon cadavre! Un connard! Arrêtez! Ok, let's go! Il faut que je me soigne. Je sais plus c'est quoi les esquives. Hop là, salut! Nickel. Hakon, laisse-nous entrer! Ouais, j'essaie! Cillian, je sais que t'es là! Voilà, on se barre. C'est bon, il y en a plus? Je pense. Aide-moi! Ah, attends. Laisse-moi fouiller les cadavres, gros. On est vraiment dans la merde.
Bon sang, Cillian! T'aurais dû attendre un peu plus longtemps! Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard! Regarde ça! Wesh, cutard! C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça? Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein? Comment t'es arrivé en ville? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Oh, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Akon, hein? Je lui ai donné un inhibiteur, il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute. L'hôpital, alors? J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, Akon? J'ai juste besoin d'une lampe UV. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Brutti. Un putain de chauffeur de taxi et une mère Teresa tout en... Mais tu pourrais cuisiner. Tout le monde autour de toi dit que c'est ce que tu veux faire, cuisiner. La vie aurait été plus facile. Pas de traceur nocturne, pas d'Akon, pas de problème. Mais non, tu voulais autre chose. Des putains de plus grandes causes. Oh... Tu pourrais juste cuisiner. Où est-ce que je peux me reposer? Donc tu viens d'arriver en ville. Qu'est-ce qui t'amène? C'est pas la terre promise ici. Loin de là. Il faut que j'aille au Fisheye. Et Akon t'aide à y aller, c'est ça? T'as l'air d'un bon gamin, mais... Suis mon conseil. Ne donne pas ta confiance à n'importe qui. Hein? Comment tu sais que tu peux me faire confiance? Ok, assez de blabla. Va dormir. Y a rien à faire jusqu'au matin, de toute façon. Ah, super drôle. T'as réussi? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot, j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller? Si tu te mets dos à la porte de Cillian, ce sera tout droit. Tiens bon. Eh bien, allons rejoindre après. Alors, je tiens à préciser, si vous entendez mon PC, parce qu'il tourne à fond. Enfin, il tourne à fond, non. Mais disons que les ventilos font tourner, que ça tourne à fond. Malheureusement, je peux pas le muter. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Donc, voilà, c'est juste pour vous préciser que c'est pas... C'est, voilà, je vais essayer de le faire quand on n'entende pas. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie.
Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil? Bah, pas grand monde, effectivement. Là, sur ce coup-là, tu marques un point. Tu marques un point. Je pense que aucune personne normalement sensée voudrait de cela pour son enfant. Ok, je viens de comprendre le système. 12 ans trop tard. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai compris le truc, en fait. Il fallait se faire la balançoire. La porte est verrouillée. T'inquiète pas. Trouve le vieux bus. Un bus ? À leur hache, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Hop, on prend ça, j'ai vu le bus. Par où alors? Ah bah voilà. Je comprends pas où il faut aller chercher. Ah, ok. Allez. Ok. Je suis à l'entrée principale. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée. Ok. Désolé les gars, tu veux pas y aller? Allez, je te follow, gros. Hey. Oui, j'ai vu. Impressionnant, hein? Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques. Quand tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires. Ils les payaient une blinde. Résultat, un gros tas d'emmerdes. Tu m'étonnes. Ok. Oh non. Encore un. Oui, t'inquiète pas, j'ai compris. On n'a pas beaucoup de temps, reste à côté de moi. Par contre, j'ai aucune endurance, c'est horrible. Horrible, zéro endurance, quoi. Ah non, merde, je me suis trompé. La porte est verrouillée. Je peux tester ma clé du destin. Tu sais comment ouvrir une serrure? Bien sûr, tourne la clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah, con.
J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. J'ai trouvé des pièces. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. D'accord. Alors, on va fabriquer... Bah pourquoi ça veut pas? On va même en fabriquer max, comme ça on sera tranquille. On va faire les médocs. Voilà. Bien joué. Je me soigne. C'est pas grand chose. Ok, j'ai compris. Donc ce. Ouais, ok. Ok, c'est cul pour faire tourner. Nickel. Bon, ça a l'air d'être simple. Hein. Ah, t'as pas menti. Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. Ah désolé, hein, le let's play c'est pas, il est pas foufou. Bon, franchement, je vous le dis, hein, je fais même des erreurs, je fais même des trucs. J'ai même peur que ce soit pas fou, que vous entendiez des fois mon. C'est quoi ce bordel? Vous entendiez des fois mon PC, enfin le bruit de mon PC. J'en suis déjà d'avance désolé, mais je ferai tout pour que ce soit le mieux possible. Pour vous. Voilà. Je suis Econ, hein. J'adorais le chanteur. Ok, de la résine. Je suis gamelle. Alors, faut qu'on recommence. En fait, elle est où là? Parce que j'ai pas saisi où il fallait aller. Non, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Vas-y, monte. Hop. Nickel. Donc, si j'ai bien compris, on va faire ça. D'accord. Ah bah, putain, mais je suis con aussi, tu m'étonnes. Non, faut pas avoir peur du vertige. Alors peut-être que je suis allé trop loin là du coup. Alors tout doux. Voilà, je pense que c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça. Ok. Mia? Heidi, où est-ce que t'es? C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais? Mia, pas sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main.
je te tiens. Aiden. Est-ce que tout va bien? Ouais. T'es sûr? Merde. Parle-moi. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE? Eh ben, il y en a plusieurs en ville. J'ai ces souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Il y avait un gars ici qui s'appelait Walls. Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir, comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci. Ok, bah écoute, on va faire du mieux qu'on peut, hein, de toute façon. Ok, des oxydants, alors. J'imagine qu'il faut descendre. Aiden, bah Aiden. Alors, je trouve que les doublages français sont très aléatoires. Ils sont pas mauvais. Les belles au bois dormant. Ouais, on doit passer devant eux. Si tu t'accroupis et bouges lentement, ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà sans doute. Ouais, grave. Ah oui, d'accord, j'en avais pas vu qu'il y en avait autant. Dors, dors, dors. Ok, j'ai eu peur. Oh, j'ai flippé. Ah, je voulais pas ouvrir les trucs. Laisse tomber. On passe comment là en fait? Ah ouais, donc là, ouais, je fais une erreur, je suis mort. Hein. Obligé de faire un tour en fait. Obligé de passer par ce carré. Là, je dois passer entre les deux sans me faire repérer, tout doux. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, t'inquiète, bro. Illusion, illusion. Ouh, c'était chaud. C'est quoi ça? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein. Attends, pour t'accroupir, c'est quoi déjà? Je m'en souviens plus. C'est contrôle? Je m'en souviens plus pour m'accroupir, c'est quoi? Non, c'est vraiment que je m'en souviens plus. Ok. Bon, je l'ai réussi du premier coup. Je m'attendais à le rater, hein, je vous le dis très clairement.
t'es pas sauté en fait. Ah oui, parce que j'ai failli réveiller toute la clique derrière. Par contre, Aiden, on est dans un endroit où tu fais le moindre bruit, tu réveilles la planète. Donc, calme-toi. Ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom? Werewolves. Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais. Bah figure-toi qu'il était pas le seul. Il y avait d'autres villes comme Vildor, avec des murailles, coupées du reste du monde. Il y a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin, Aiden. Mais bon, le monde est rempli de connards. C'est vrai. Allez, on prend tout. J'aime fouiller, hein, pour ceux qui me connaissent à la The Last of Us. Ben, n'hésitez pas à aller voir, hein, on laisse fait dessus. D'accord. Sois prudent. C'est pas stable. Allez. Ouais, laisse-moi une seconde. Vite, on a presque plus de temps. Non mais en même temps les gars, vous sautez sur un truc. Vous attendiez à quoi sincèrement? Non mais... Alors attends, où est-ce que... Ah bah c'est pas grave. C'est écrit avec les trucs. Non mais vous, les gars, vous attendiez à quoi sincèrement? Non. Alors j'attends. Je vais pas y arriver. Mais si. Attends. J'ai une idée! Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles? Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Il y a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. D'accord. Bon, une fois qu'on a notre truc, on s'arrêtera pour ce prochain épisode. On a de la compagnie. Un rapace. Bouge pas. Tu peux pas gérer ça. Je sais. J'ai vu cet enfoiré. Jamais trouvé. Aiden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. Ah.
peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Heidi. Et si le docteur nous voit? Il nous verra pas. Et puis, faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, ne lâche pas. Reprenons. Pas une poule mouillée, Aiden. Ok, alors. Après une petite cinématique, on va fermer, hein. Parce qu'on n'a pas, pas confiance, hein, monsieur, là. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah, voilà, hein. D'accord. Bon, on a eu un inhibiteur du futur. Voilà, on a mis l'inhibiteur. Quoi de neuf ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. J'imagine que pour rester à la cage d'ascenseur, ce ne sera pas aussi simple, hein, ce serait peut-être un peu trop drôle. Je pense qu'il y a Bernard qui nous attend. Alors, ramasser. Hop, on ramasse tout. Il y en a encore un truc. Hello. Akon. Akon. Dépêche-toi, j'ai trouvé les marqueurs. Le problème, c'est que j'y arrive pas, hein. Comment on fait ? Allez, allez, allez. Ok, d'accord. J'ai réussi. T'es toujours en un seul morceau ? T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis prêt à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça. Hein ? À propos de... À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de Ville d'Or. Putain ! Quoi ? Tu vas te transformer ! Vite, viens dans la lumière ! C'était moi une.
Qu'est-ce que tu ferais sans moi, pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi une fois que t'auras trouvé ta sœur ? J'y ai pas réfléchi. C'est bizarre. On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvée. Faudrait d'abord la trouver. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue. De l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés, et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. Pff, on les emmerde. Je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? On verra bien. Pour l'instant, je suis loin de mon objectif. Tant que ça change pas, je peux pas t'aider. Je comprends. Très bien. Et pour ton objectif ? Voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au fichail, faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Bah, c'est un peu contradictoire, parce que tu me dis de me balader, et au final, tu me dis... Tu me dis de te follow. Les champignons UV respirent. D'accord. On a eu chaud, hein, parce que je me suis battu tous, etc. Si j'avais pas compris le truc, j'étais dans la merde. Tiens, t'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux Ville d'Or. Plein d'endroits intéressants à visiter. L'église, c'est là que les hurleurs nous pourchassaient. C'est le centre du quartier. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. Ok. Mais... Ah ! Ah d'accord, ça les touche... Alors, vous avez débloqué le niveau de zone monde ouvert dans toutes les activités via les jumelles sont... Ah, bah nickel. Donc dézoomer, rezoomer, métro, la Sainte Trinité, d'accord. Donc là, c'est une zone sécurisée, une fois qu'on sera à Trinity. Là, on est à Outfield, là, on est à Trinity, et là, à Outfield, d'accord. Donc Outfield, c'est la partie la plus, on va dire, chaude. Bon, on va aller à l'église, au niveau du bazar. Hein. Voilà. Ok. Bon bah du coup, nickel alors. Alors, vous allez bloquer le monde.
appuyé sur I pour notre nouvelle lanterne. Ouais. J'ai reçu une arme, mais je sais pas où elle est. Donc ça, c'est ça, c'est ça. Dans... Hop. Tac. Parfait. Il manque du miel, ok. Ah, il faut un mode, ok. Alors, tac. Ok, mes petites cagettes, on va se laisser ici pour ce troisième épisode de Dying Light. Alors, on a les couteaux. Donc les couteaux, on les lance avec ça. Ok, du coup, mes petites cagettes, on va se laisser ici pour le troisième épisode de Dying Light. Je suis désolé, franchement désolé, si vous entendez quelques petits bruits, quelques petites choses. Comme on dit, je me règle, même si c'est mon deuxième let's play sur PC, donc d'avance je m'excuse. Si en tout cas votre épisode, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, votre pouce bleu et votre commentaire. Comme ça, ça me fera plaisir, comme ça vous saurez si vous pouvez m'aider pour m'améliorer, tout ça, etc. Et en contrepartie, j'écouterai vos conseils. Mes réseaux sociaux sont bas de la description, n'hésitez pas à les checker. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je répondrai. J'aurais juste une chose à dire. L'épisode 4, il arrive bientôt. C'était Cage, bisous, à bientôt. Bye!